Hey, sympa! Salut à tous, c'est Alcat, et aujourd'hui on se retrouve avec Assassin's Creed Origins, après la fin de l'écran de chargement, qui est relativement long, quand on se téléporte, quand on lance la partie, tout ça. Et là, on vient d'avoir une récompense, un défi communautaire réussi. Et oui, hein, c'était pour Noël, je suppose. Les trois dieux étaient disponibles en même temps, et je les ai faits, pas plus tard que hier, je crois, ou avant-hier. Et là, j'utilise l'épée, d'ailleurs, hein, avec une tête de chacal, là, que j'ai à ma garde. Même le bouclier, je crois, mais pas l'arc. Enfin, bref. On parlait d'armure, de pièces d'armure à avoir, mais pas vraiment, quoi. Je sais pas s'il y aura que ces trois-là, mais c'est des défis qui sont en temps limité, hein, avec des boss assez corsés. Enfin, il faut pas y aller en n'étant pas préparé. Il y a une technique qui est simple et qui... avec les fameux arcs qui vous redonnent de la vie, vous savez, quand vous attaquez. À chaque fois qu'il y a une flèche, il y a des sacs qui s'y foutent là, lui. Tiens, je vais t'apprendre. Hors de ma vue, misérable. C'est énorme, ce genre d'événement qui se passe, je sais pas pourquoi. C'est assez excellent. Il a failli se faire renverser par un char. Bon, bah oui, hein, Assassin's Creed Origins, de toute façon... ça fait un bail que j'avais pas joué à Assassin's Creed. Le dernier c'était Black Flag, encore une fois, sur PS3. Et là, j'en ai pris aucun des derniers. Les Rogue, Unity, Syndicate, tout ça, j'ai totalement zappé. Et donc, quelle ne fut pas ma surprise, évidemment, quand j'ai vu celui-là, hein, annoncé, tout ça, je me suis dit, ça a de la gueule. L'Égypte antique, tout ça, j'aime beaucoup, encore une fois. Et je me suis dit, ben pourquoi pas... On peut pas se mettre la lance dans le cul, par contre. Ben oui, voilà, c'est l'occasion, c'est très bien. On va y retourner, on va renouer avec la série. Et très honnêtement, j'ai été très surpris. Je pense que si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas joué depuis un moment... à un jeu de la licence, eh bien vous allez être surpris par les très nombreux changements qui ont été opérés avec celui-là. De toute façon, je pense que c'est un espèce de reboot et que ils ont changé pas mal de choses. Il était temps, diront certains. Et la plus grande nouveauté, évidemment, c'est le côté monde ouvert. Mais vraiment, hein, tout est accessible. Comme il se doit, on peut vraiment monter très haut et voir tout le paysage alentour. Et on va essayer de monter sur cette montagne, mais tout ce qu'on voit ici, ça c'est probablement des animaux sauvages qui déclenchent un combat. Quand on passe à côté d'eux, il y en a quelques-uns. Et prends ça, saloperie. Ah, il s'est envolé, bien joué. Et tout ce qu'on voit maintenant, on peut y aller. Hein. Et c'est très impressionnant. Ils ont vraiment réduit le niveau de brouillard. Encore une fois, des fois il y en a bien sûr, mais ça c'est quelqu'un qui m'a vu, des brigands probablement. On a des zones interdites hein, parfois, ou parfois il y a des ennemis qui nous attaquent à vue. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a vraiment plein d'aspects qui étaient présents dans les... On va essayer de monter à cette montagne là, vous verrez. Des fois il y a des panoramas mais c'est juste hallucinant, on voit de super loin et on peut aller partout quoi, voilà. Il y a de très nombreuses zones. Un peu trop, on serait tenté de dire. Oula, mon cheval ne veut pas monter. Voilà. Pourtant, il peut vraiment aller presque partout. Mais le personnage qu'on incarne, c'est encore pire parce que, regardez, tout ça là, on peut... Avant, dans les Assassin's Creed, je suppose qu'on ne pouvait monter qu'à des endroits prédéfinis. Des fameux les basiliques, tout ça, où il y avait des espèces d'églises, où il y avait des fenêtres, vous savez, des meurtrières. Et si on n'avait pas, ben on pouvait pas grimper. Là, c'est un petit peu la même chose, sauf que en plus, on a des montagnes. Mais vous voyez, là, j'ai décidé de monter ici, mais j'aurais très bien pu aller un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche. Il peut monter partout, même quand il n'y a pas de prise. Et c'est juste hallucinant, ça m'a bluffé. J'avais quasiment jamais vu ça dans un jeu vidéo. Donc, et l'interface, la jouabilité a été simplifiée. Hein, je veux dire. Pas seulement pour les phases de grimpette, pour les combats, tout ça, ça a vraiment été revu à la baisse, à la haute. Enfin, non. À la baisse, je suppose, Bon, ouais, par contre, c'est un petit peu flou. Hein. Ouais, juste au-dessus de ma tête, là. Et là aussi.
Là, c'est extrêmement flou, hein, ici, là. Mais sinon, vous voyez, regardez-moi ça, tout ce, jusqu'où on voit, là. Ça, c'est juste bluffant, c'est l'aspect open world, évidemment, qui est très réussi. Et encore, je suis même pas monté au maximum. Il a été très soigné, et il est vraiment réussi de ce point de vue-là. Vous voyez, attention de pas sauter trop haut, puisque on a tout fait de crever à cause de ça. Et oui, le monde est immense, c'est juste incroyable. Je vais vous montrer la map, toutes les zones auxquelles on a accès, vous voyez. La mer ici, un lac ici. Regardez ça, j'y suis jamais allé. Paraitonion, et non pas un oignon. Catara, dépression, vous voyez. Ça c'est les noms anglais. Vous voyez, c'est encore tout bleu là, c'est parce que j'y suis jamais allé. Et sinon, vous voyez, nous on part de là. On est Bayeg de Siwa, c'est notre village natal ici là, et non pas Nathalie, la place rouge tout ça, là. Et vous voyez Black Desert Online tout ça, une zone assez étrange, il y a que dalle. S'il faut White Desert c'est pareil, s'il faut celui-là aussi c'est pareil, mais vous voyez on voit le niveau, un petit peu comme dans World of Warcraft quand on dézoome à fond, vous voyez 37-40, ben ça veut dire que le niveau maximum c'est 40, hein. On peut pas monter à niveau 40 maximum, parce que oui, il y a un aspect RPG, hein, avec des chiffres quand on attaque les ennemis. On aime ou on n'aime pas, encore une fois. Il y a du loot à profusion, avec une armure qui donne, qui a 120 en attaque, après, une épée qui a 120 en attaque, après vous en avez trouvé une à 140, etc. Et vous voyez, donc celle-là, c'est de niveau 37 à 40. Celle-là, c'est du niveau 6 à 8. Voilà. Et évidemment, on a un système de déplacement rapide, hein. Vous voyez, tous ceux qui... tous les endroits où il y a une flèche verte, flèche blanche vers le bas, là, je peux pas zoomer plus que ça, là. Comme ici, là. Un rond blanc. Ben, c'est que je peux me TP. Attention, peut-être risque de spoiler, je vais essayer de... Parce que là, temps de chargement, je vous l'avais dit. Ah, quand même, il reste plus qu'une heure, ben, non. Oui, normalement, ils sont disponibles un par un, hein, pendant 6 jours, et après, ils reviennent régulièrement, hein, si on les a ratés. Normalement, c'est pas trop grave, mais voilà. Bon, ça, c'est ce qu'il nous dit, hein, vous voyez. Je vais essayer de montrer que ces deux-là, parce que... Et des fois, il y a des trucs historiques, vous voyez. Il paraît que à cette époque, tout ça, parce que c'est difficile à vérifier, évidemment, hein, c'était avant l'an 0. En 50 avant Jésus-Christ, il semblerait, hein, parce qu'il disait ça dans Astérix, et là, vu que... Il y a certains personnages, entre guillemets, qu'on retrouve. Donc on est Bayek de Siwa, encore une fois, et non pas Balek. et on demande qu'à vivre une vie paisible, et on est avec nos compagnons, les autres villageois, on chasse, on pêche, tout ça, et d'un seul coup, les événements vont nous tomber sur la gueule. Mais attention, ça commence direct, hein. Oula! J'ai la gueule ensanglantée à cause de ma chute de tout à l'heure, je suppose. Et ça s'est mal fini pour moi. Alors, est-ce qu'il y a une base quelque part? Bah, elle est terminée, celle-là, mais bon. Faut bien montrer quelques combats, sinon il y en avait une autre au nord. La flèche rouge, là. C'est des bases où, en fait, c'est des zones interdites, tous les endroits en rouge comme ça, là. Je vais faire quelques pas, et ça va me montrer, et Balek va dire... Balek, je vais sans arrêt me tromper, voilà, ça m'apprendra avec mes blagues pourries. Il va sans arrêt dire, il est interdit de venir ici. Les gardes tirent à vue, ici. Et ce genre de truc, donc... En fait, c'est... La plupart du temps, il y a des quêtes annexes, pour mettre en valeur ces lieux, bien sûr. Des gens qui sont retenus en otage, un cheval qui a été volé. Ouais, ouais, des pièces fortifiées comme ça, parce qu'en temps normal, tu sais que tu vas passer un sale quart d'heure et les gardes vont t'attaquer, parce que normalement, dans les villes, c'est pas comme ça, hein. Il y en a des gardes, on peut les tuer, mais... Et si on a à côté, ça déclenche des combats, eux aussi vont vous attaquer, mais dans les autres Assassin's Creed, il y avait une jauge de renommée, entre guillemets, d'affiche wanted, vous voyez ce truc en rouge, là. C'est que ça y est, ça commence, hein, les gens vont tirer à vue, mais étant donné... Ah si, deux ennemis ici, là. Vous voyez, ils discutent. Donc là, je pourrais d'ores et déjà les tuer, hein, vous voyez. Parce qu'ils ont 14 niveaux de moins que moi. Et ça, c'est bizarre, je leur fais que ça comme dégâts, là. Voilà. Et
En sachant que, vous voyez, comme vous pouvez le constater, maintenant, au début, avant que je les vise, ils étaient comme celui qui arrive dans le fond, là, vous voyez. Juste au-dessus, celui qui vient vers moi. Et on a même un autre ici, là, vous voyez, deux autres. Ceux-là, ils ont pas de 26 au-dessus, là, une espèce d'icône de bouclier. Mais c'est que, en fait, il y a un marquage. Oui, le truc de notoriété, ça existe plus, hein, où il fallait arracher les affiches, collecter les plumes, tout ça. Il y a plein d'événements, de trucs, d'options, d'éléments, dans les anciens Assassin's Creed qui ne sont plus du tout présents, hein, maintenant, pour sa saloperie. Voilà, au début, on l'a pas, hein, la lame secrète. Donc on ne fait qu'assommer les ennemis, c'est assez drôle. Et maintenant, on les tue. Vous voyez, ils changent de position. Avant, il n'y avait personne qui gardait la princesse saloperie. Qui gardait la maison, entre guillemets. Et là, maintenant, ben, y a ce qu'il faut. Alors, est-ce que je vais pouvoir répandre le feu là-dessus, là, avec une flèche? Ouais, c'est ça, regardez. Vous voyez, des fois, il y a des jarres d'huile. Ça arrive souvent. Attention, parce que là, ça se propage de ouf. Hein. Et il va crever, ce con! Ça s'est éteint juste avant qu'il arrive, c'est dommage. J'aurais aimé... Bah, je vais l'attirer, regardez. Eh ben, non, ça c'est mon aigle, je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais ah non, il m'a vu, d'où? Bon, un petit combat, prends ça, saloperie. En sachant que c'est un jeu que j'avais fait en live, hein. C'est l'un des seuls jeux que... récents, que... qui venait de sortir, au moment où j'avais commencé, et que j'ai fait... en live, parce que je me doutais bien que la vidéo allait mettre pas mal de temps pour arriver, le test. Mais en général, j'évite de faire ça. Alors on va essayer de mark and execute, enfin de marquer les ennemis. Vous voyez, on a, avec la touche fléchée haut, on peut, une simple pression, parce que sinon ça fait un scan si on laisse enfoncer. C'est deux trucs qui casualisent un petit peu le jeu, entre guillemets. On fait appel à « c'est nous », et non pas « nous, c'est nous », entre guillemets. C'est notre règle. Il peut survoler les environs, vous voyez, il craint pas grand chose. Il peut attaquer les ennemis, hein, si on débloque certaines compétences. La flèche bleue, là, c'est moi. C'est là où je suis. Il n'y a plus qu'un seul perso. C'était pas une base très difficile. Et en rentrant en mode stationnaire, vous voyez, avec la touche L2, je passe en vue subjective et je peux marquer plusieurs choses, les trésors, les balistes, les feux de signalisation, entre guillemets, parce que c'est certains ennemis qui peuvent allumer des bras zéro et déclencher l'alarme, et là, il y aura plein l'alerte, plein d'ennemis qui vont arriver à l'infini, et ça va être extrêmement chiant pour vous, donc il faut les piéger, vous pouvez. C'est-à-dire que quand ils s'en approcheront, ben, ça va exploser ou je sais pas quoi. Et vous voyez, on peut marquer les ennemis comme ça, là. Donc maintenant, ils ont un icône de bouclier... pas obligé d'utiliser l'aigle, hein, on peut faire comme le, on peut les regarder avec les viser avec l'arc comme j'ai fait tout à l'heure là. Voilà, là cette fois-ci ça a marché. Regardez, il va venir jusqu'à moi. Le prends ça le prix. Le sifflotage. Et là il y a déjà plus personne, hein, vous voyez. Ouais, c'est un phare ça. Et vous voyez ça, les meurtrières dont je vous parlais tout à l'heure là. Là par contre on est obligé d'avoir ces. Donc des fois on est obligé de chercher un petit peu. De réfléchir, de savoir où on peut passer, tout ça. Ça, normalement, c'est un point d'observation, hein, mais je l'ai déjà activé. Et il y a pas mal de phares comme ça. Et oui, l'aigle, il vous aide beaucoup, hein, pour ça, mais vous n'êtes pas du tout obligé, à chaque fois que vous allez arriver à 150 mètres, plus ou moins, de votre... oula, il a pas plongé. Il a pas mis ses bras en avant. Pourtant, je suis bien tombé dans l'eau. Il a un petit voyage en bateau, ça fait plaisir. On peut prendre des bateaux, vous voyez, il y en a régulièrement pour naviguer sur la mer, tout ça, et c'est juste excellent, les décors, la plupart du temps, c'est de la roche et du sable, on serait tenté de dire. Mais des fois, il y a des oasis, des mangroves, des villes, évidemment, avec les obélisques, les pyramides, tout ça. C'est juste énorme de se balader dans ces lieux et de... oula, il va me rentrer dedans, lui. Et de visiter cette Égypte authentique et même antique et ancienne, quoi. Voilà, tout simplement. C'est la météo qui change, hein, aussi, au gré des météos dynamiques, hein. Des fois, il peut... Je crois qu'il pleut jamais ici, hein, en Égypte. Lol.
Mais par contre, il y a des tempêtes de sable, il y a la nuit qui tombe, évidemment, il y a un cycle jour-nuit. Et wow, des attaques d'animaux, là, ils sont en train de poursuivre les villageois, regardez-moi ça. Ça, c'est des quêtes un petit peu ponctuelles, hein, on serait tenté de dire. Attaque de prédateurs, repousser les bandits, des hippos. Prends ça, je vais aller à l'hippodrome. Et les deux sont sur moi, ça ne va pas aller du tout. Est-ce que Bayek va s'en sortir? Sinon, on peut les avoir à distance, hein, évidemment, avec les arcs, encore une fois. Mais ça, c'est une attaque spéciale, je vous en reparler. Là, je me soigne avec mon épée. Hein. Quand je tue un ennemi, ça remplit ma jauge de... pas à fond, mais bon. Un petit peu ma jauge de points de vie. Hein. Qui est symbolisée par trois rectangles blancs en bas de l'écran. Et la jauge bleue qui se remplit au fur et à mesure, c'est le... Et beaucoup plus quand j'attaque, c'est... Putain, mais... Ils attaquent à 360 degrés ou quoi, là? Ben, c'est la jauge de furie, une fois qu'elle est remplie, elle permet d'appuyer sur L2 et R2 pour... Non, L1 R1 et R2 en même temps pour faire des... toujours attaquer les ennemis dans le dos, bien sûr, hein, ça fait des coups critiques, hein, vous voyez, en jaune, là, ça leur fait plus de dégâts. Je vais attendre que ma jauge se remplisse. Mais elle se remplit pas automatiquement, là. C'est quoi ces conneries? Peut-être quand je fais ouais, bien, des pots. Des attaques. Et ben, ça a fini la quête. Non, j'ai l'impression qu'il y en a d'autres, là-bas. Là. Bon. Et ben, ça permet de... Je suis taché de sang. C'est énorme. Et ben, ça, c'est dès qu'elle est remplie, on fait R1 plus R2, et ça lance une attaque qui fait plus de dégâts, si c'est une épée. Mais c'est pas pareil pour chaque sorte d'arme. Des fois, ça ralentit le temps... Ça nous fait nous déplacer plus vite alors que les ennemis sont plus lents. Quand c'est des armes rapides, ça augmente les dégâts pendant quelques secondes, je suppose, hein, en fonction de l'arme, la sorte d'arme. Parce qu'il y en a pas mal, hein, des haches, des trucs à une main, deux mains. Oh, nouveau lieu découvert, sérieux? Ben voilà. Là, je suis sûr que j'y suis jamais allé. Donc, vous voyez, à chaque fois que vous arrivez près d'une zone comme ça, là, il vous propose de... Il y a des objectifs répétables, hein, vous voyez, je maintiens la touche L3, il les remet, là. Enfin, c'est des objectifs, c'est quasiment les mêmes dans chaque fort, hein, entre guillemets. Des fois, il y a vraiment des forteresses de ouf avec plein trentaine d'ennemis, ça c'est incroyable, et il y en a dès le début du jeu, hein, donc ça m'a un petit peu rebuté. C'est là où je suis le plus mort, je crois, parce que je m'y attendais pas dès le début. Je m'attendais à ce que ce soit plus simple, tout ça. Alors, vous voyez, je scanne les ennemis. Là, j'ai trouvé le capitaine, vous voyez, en jaune, là, niveau 30. Et je peux piller le trésor aussi, on le reconnaît à l'icône, hein, une espèce d'œil, une espèce de statue, toujours dans les baraquements, normalement, dans des lieux plus ou moins difficiles à atteindre, où il y a du stuff. Ah, ouais, il est là, ça y est, il l'a trouvé, il est à 64 mètres, ici, là, au milieu, dans la même tente qu'il y a le capitaine. Et donc là, ben, si je veux compléter ce lieu, eh ben, je dois tuer le capitaine et piller le trésor, les deux sont ici, donc tuer celui-là et ramasser ce truc, et voilà. Il y a plein de conneries à ramasser dans ce jeu. Des espèces de sacs de farine où il y a des drachmes, donc c'est la monnaie du jeu. Et pas mal des pots, du fer, soit ça nous fait de l'argent, ça les feux dont je vous parlais tout à l'heure, là. Ou soit, donc on peut les revendre, soit on peut nous-mêmes acheter des trucs, hein, des montures, tout ça, et alors, des tenues. Il y a vraiment plein de trucs, je vais essayer de m'occuper de cela, là. Alors, pour l'instant, vous voyez... Vous voyez qu'il y a des espèces de trucs bleus là, des lignes blanches sur mon perso. C'est pas un bug, c'est parce que je suis totalement invisible. Je suis dans les hautes herbes. Et j'essaie d'appeler celui-là là. C'est complètement cheaté, hein, cette technique. Ah ben en voilà un autre. Mais normalement ça les attire un par un. Hein. Mais parfois ils viennent à deux ou trois quand ils vous voient. Eh oui, pas quand vous les sifflez. Et là je peux enchaîner, vous voyez, avec un lancer de couteau. Prends sa saloperie. À condition que l'ennemi soit à portée, hein. Je peux le tuer, je peux enchaîner un meurtre, s'il y a un autre ennemi à proximité, c'est une compétence à acheter, hein. Il y a un arbre de compétences aussi, je vais vous montrer, voilà, dans aptitude. Le fait que vous soyez niveau 40, ça veut pas dire que vous ne pouvez plus gagner de points d'aptitude, hein. Vous voyez, j'en ai deux, là. À chaque fois que la jauge se remplit, ça va le faire ad vitam aeternam, et ça va vous donner des points d'aptitude et tout ça, quoi. Vous voyez? Trois arbres de compétences différentes. Guerrier, arc. Donc, c'est arme principale et secondaire, je suppose, en haut.
et arc à gauche et les outils, vous voyez, comme des flèches empoisonnées, des trucs qui endorent pour avoir des pets, je suppose. Jamais fait ça, j'aimerais bien voir comment ça marche. Beast Tamer, entre guillemets, donc c'est-à-dire dompter des animaux. Ils combattent à vos côtés, je suppose, mais je sais pas si on peut les garder indéfiniment ou que pendant quelques secondes. Ouais, pas mal de trucs, hein, des attaques chargées, je vous conseille vraiment. Si je devais en vous en recommander que une parmi toutes celles-là, c'est à quelle déjà? En fait, c'est celle qui permet de charger la touche R2, parce qu'il y a deux sortes d'attaques, hein, c'est très inspiré de Dark Souls, les combats, donc c'est-à-dire R1 pour attaque légère, R2 pour attaque lourde, tout ça, on peut esquiver, verrouiller avec R3, esquiver avec carré, tout ça, se protéger avec L1, et ça marche bien, hein, le système de combat, c'est vraiment pas mal, mais il y a des ennemis qui se cachent avec des grands boucliers, pas des petits ronds, hein, comme moi j'ai là, des grands boucliers qui font tout leur corps. Et vous avez beau les frapper, ça fait rien, et c'est très chiant, faut passer derrière leur dos, attendre des ouvertures. Mais sinon, vous avez l'attaque chargée avec R2, qui permet de... Oui, on peut porter une deuxième arme, hein, un deuxième arc avec certaines compétences, qui permet de casser la garde de l'ennemi. Voilà, c'est celle-là, hein, vous voyez. Touche R2 pour qu'il titube un petit peu, et après on peut l'attaquer 3 ou 4 fois, et après il se remet en position, et après on recharge, on laisse appuyer R2 pendant quelques secondes, et se permet de... Et les ennemis, faut les connaître, hein, il y en a qui sont rapides, qui font des bombes fumées, qui sont très chiants. Donc voilà, ce genre de truc. Bon là, le problème, c'est qu'ils vont trouver les cadavres... Oh merde, non! Et voilà, il m'a... Lui, j'avais oublié de le marquer, faut croire. Ouais, mais évidemment, vu que dès que vous voyez ce truc blanc, quand il est rempli à fond, et ben ça... Vous allez être repéré, hein, donc il vaut mieux faire attention avec ça, encore une fois. Là, ils ont un niveau inférieur, évidemment, mais vu que c'est une zone moins du début, entre guillemets. Mais vous avez une option pour mettre les ennemis à votre niveau. C'est arrivé avec un patch un petit peu plus tard. Je vais attendre qu'il me tourne le dos, encore une fois. Il y a eux qui s'entraînent, là, ça va pas aller du tout. Ils vaquent à leurs occupations, encore une fois, ils peuvent aller pisser, ils changent de position régulièrement, donc faut bien guetter les mouvements des ennemis et faire attention à leur placement, tout ça. Et merde, ils m'ont repéré. Je l'ai pas tué suffisamment rapidement. Donc vous voyez, il y a des archers qui se déplace, tout ça, lui, petit bouclier, vous voyez, comme je vous avais dit tout à l'heure, prends ça, saloperie. Et non pas tout chat et tout chien. Ouais, là je suis... Dès que Bayek, il met son arme... Oula, il m'a fait un combo de ouf. Bon, regardez, son arme vers l'arrière, voilà, comme ça. Ça veut dire que l'attaque est chargée et qu'on peut les décéder. Ah non, le feu est allumé! Les renforts vont arriver à l'infini, prends ça, saloperie. Vous voyez que c'est puissant, hein, le coup spécial. Ça plaisante pas. Bon, faire très attention à ce que font les ennemis prends ça. Et bien préparer le terrain. Donc vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser l'aigle. C'est pour ça qu'on les voit à travers les murs. Hein, c'est le fait de, voilà, lieu terminé. C'est le fait d'utiliser ses nous, hein, voyez, de faire comme ça et de rester sur eux comme ça. Mais il faut les chercher quand même, hein, même comme ça, c'est pas évident. Mais ça permet de les voir sur le... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça permet de les voir à l'écran et... Les renforts. Vite, les renforts. T'arrives un peu tard, Jackie. Et donc ça permet de du coup, je vais voler son cheval, voilà. Alors attention, parce que la touche triangle, c'est la même touche pour assassiner et pour monter sur un cheval. Donc voilà, hein, je suppose que vous voyez où je veux en venir. S'il y a un cheval à côté de la cible que vous voulez éliminer, et que vous mitraillez la touche triangle, parce que des fois, vous avez peur que ça marche pas. Oh là, encore un hippo. Bah, il m'attaque pas, lui. Peut-être la première fois que ça m'arrive. Parce qu'il vous attaque que quand vous empiétez sur leur territoire, soi-disant. Donc voilà, encore une fois, pas mal d'animaux différents, des lions, tout ça.
des oiseaux. Voilà. Et c'est quoi ça? Et en fait, vous n'êtes pas du tout obligé de vous servir de ce système. Et ça commence. Mais on a du mal à s'en passer, encore une fois, même si on peste contre la casualisation, évidemment, et tout ça. Et l'autre utilisation de la touche O, c'est le scan. Vous voyez, je laisse enfoncer et ça scanne les environs. Ça me permet de mettre une petite flèche blanche au-dessus des coffres que je peux ramasser. Oula, mais c'est une toute petite barcasse, ça. Elle a pas de voile ni rien. Vous voyez, il commence à faire sombre, là. Le soir va tomber. Et en fait, ça... Mais ça dure que quelques secondes, hein. C'est pas tout le temps. Oh merde, un croco. Faut voir. C'est flippant, quand même. Vous voyez que ça aussi, ça marque les ennemis. Je peux vous garantir que le fait d'être dans l'eau, parce que oui, il y a aussi des fonds marins, c'est assez incroyable. Non seulement ils ont modélisé énormément de lieux à pied, mais là, comme dans Black Flag, il y a aussi jauge d'oxygène en bas à gauche de l'écran, on peut l'upgrader avec les compétences, tout ça. Prends ça! On peut même attaquer sous l'eau, vous voyez. Et ben, ça permet c'est vraiment flippant, hein, les crocos. Quand ils ont clairement l'avantage... Putain. Ils ont clairement l'avantage, mais ils sont en train d'attaquer quelqu'un d'autre, là, non? Ah ouais, merde! Quoi? Mais non. Il a tué quelqu'un? Et ça lui suffit pas, il veut me tuer, moi aussi. Lui, là, il s'est fait tuer. Oh merde, mais je rêve où il attaque ma barcasse. Vite, remonte! Enfuis-toi. Donc évidemment, c'est assez flippant et c'est assez vivant comme monde. Il y a pas mal d'événements qui se passent, les personnages qui vaquent à leurs occupations, les chiens qui pissent, tout ça, ou ce genre de trucs. Oui, et je suppose que le contexte historique, tout ça, est fidèlement retranscrit, un minimum en tout cas. Ça a toujours été la grande force des Assassin's Creed, hein, depuis le premier, je suppose. Oula, attention. En fait, il faut bien comprendre que un gros effort a été fait aussi pour les contenus annexes, surtout les contenus annexes. D'ailleurs, on serait tenté de dire qu'ils sont plus peaufinés que le contenu principal, parce que les quêtes principales n'ont rien d'extraordinaire. Vous voyez les étoiles qui commencent à apparaître. C'est un des gros reproches malheureusement qu'on peut faire à ce jeu. Vous vous rappelez, dans Assassin's Creed 2, tout ça, il y avait la quête avec la machine volante, par exemple. C'était bien, c'était varié et tout, oui, on peut faire accélérer le temps, hein, vous voyez, on enfonce le pad tactile et on peut passer du jour à la nuit et vice-versa en une pression, et c'est instant, hein, vous voyez, on perd pas de temps avec ça. Donc là, on est le matin, vous voyez. Et le truc, c'est que, tellement de choses dont je pourrais parler, c'est que, ils sont pas foutus de la gueule du monde avec ça, parce que y a plus de collectables, vous savez, les plumes à ramasser, tout ça. On cite toujours ça en exemple, parce que manifestement, ça nous a marqué. Pourtant, c'était dans le 2. Et oui, là, il n'y a plus vraiment ça. Les trésors, terminer les lieux, trouver les cercles de pierre. Mais on n'est pas obligé de le faire, je suppose. Et toutes les quêtes annexes sont scénarisées. Et oui, c'est vrai. Hein. C'est assez impressionnant. Il y a des courses de chars. Ça, c'est plus des activités annexes, en fait. Des combats d'arène. J'avais jamais fait, hein, ni l'un ni l'autre. Sauf à un moment où c'était... Tut ! Voilà, spoiler, j'en dis pas plus. Pour les combats d'arène. Mais, putain, regarde-moi ça, quoi. Mais les quêtes annexes sont toutes scénarisées. Et c'est presque au niveau de The Witcher 3, de toute façon, soyons honnêtes, ce jeu-là, c'est une réussite, voilà, faut le dire. C'est un jeu qui est impressionnant, c'est bluffant, le travail qui a été fait, le nombre de lieux à visiter, tout ça, tout ce qu'on peut faire. Je sais pas ce qu'ils ont fumé, les développeurs, mais encore une fois, ils en ont fait peut-être un peu trop, parce qu'on n'a pas besoin d'aller dans toutes les zones. Hein. Toutes les zones ne sont pas importantes. Hein. Là, j'ai failli me tuer. Donc c'est pour ça, ils en ont peut-être fait un peu trop. Mais il y a vraiment de quoi faire et pas mal
de lieux à visiter, les quêtes annexes toutes scénarisées, et soyons clairs, ce jeu-là, c'est le The Witcher 3 des Assassin's Creed. Voilà, il lui ressemble tellement, c'est incroyable, avec le cheval qu'on peut appeler en sifflant, tout ça. On peut se déplacer en cheval. De toute façon, il y a cheval et dromadaire, hein. Je pense pas qu'il y ait d'autres montures, mais il y en a pas mal, des épiques, des légendaires, tout ça, parce qu'il y a un code couleur, hein, comme d'habitude, bleu, orange, violet, pour la rareté et l'efficacité des trucs, je suppose. On peut améliorer ses armes, si elle est niveau 20, on peut la faire passer niveau 40 en dépensant 5000 balles, attention, je l'ai fait, moi, pour les arcs, pour les épreuves, encore une fois, l'Anubis, tout ça. Donc c'est relativement cher, hein. Là, je suis à 15 000, je crois, et on peut augmenter notre lame secrète, on peut augmenter notre armure pour augmenter nos points de... Oh putain, attention! Première fois que ça m'arrive, ça. Il n'y a plus à toucheron pour me revigorer un petit peu. Des nénuphars géants. Et là, on n'en voit pas pour l'instant. Donc non seulement il y a énormément de lieux sur Terre, mais aussi sous l'eau. Donc c'est pour ça que ça force le respect, hein. Je vous dis, je sais pas ce qu'ils ont fumé, mais... Mais c'est vraiment conséquent comme arène de jeu. Et encore une fois, on peut faire pas mal de choses. Des courses de chars, oui, je sais pas si je vous l'ai dit. Combat d'arène, tout ça. Voilà, ça, une nénuphars splendide. Oula! Ils viennent souvent à nous, hein, vous voyez, les bateaux. Quand ils voient qu'on nage, ils s'inquiètent peut-être et ils nous disent « Tu préfères pas monter, je suppose ?» Parce qu'ils parlent en égyptien. Viens, je t'emmène. Donc là, on peut s'asseoir, mais sinon, on peut voler aussi, ça m'est arrivé une fois, à la GTA, on serait tenté de dire. Je voulais savoir si c'était possible de le faire, donc je me suis mis en mode, vous voyez, deux armes, en bas à droite de l'écran, donc j'ai mon épée, plus le bouclier et le main nue, parce qu'une fois, ça m'est arrivé de tuer quelqu'un que je voulais pas tuer. Donc là, mais rien ne vous empêche de prendre une épée, une hache, une lance, un sceptre, tout ça, et là, je suis à main nue, vous voyez, pour simplement assommer les ennemis, et je l'ai fait. Et effectivement, il y a une icône de la touche triangle volée qui apparaît, et... C'est assez drôle, vous voyez, des œufs sur le plat. C'est un jeu qui recèle de secrets, de mystères. C'est un vrai plaisir de parcourir tout ça et de voir ce qui nous attend. Mais le gros problème, c'est que c'est extrêmement répétitif parce que les lieux que je vous ai montrés là, on les fait tous de la même façon. Hein. On se cache dans les hautes herbes, on siffle, on les vraiment un par un. Hein. C'est pour ça que c'est complètement cheaté cette technique. On reste caché, ils viennent vers nous, on les tue comme ça, on les fout dans l'herbe et après au suivant. Et ils viennent tous un par un et voilà. Mais la difficulté est quand même présente. Hein. Il y a certains combats de boss, pas trop les derniers bizarrement, mais et certains ennemis qui sont vraiment redoutables. Hein. Les Phylakes encore une fois. C'est les ennemis les plus puissants du jeu, là j'arrive pas à monter par contre, qui sont anormalement puissants. Mais là, autant dire que je peux tous les tuer, bien sûr, hein, même ceux de niveau 40. Vu mon stuff et tout, il est presque ultime, hein, je dirais. On peut voir. Donc là, j'ai ramassé pas mal de trucs et j'ai rien vendu. Hein. Regardez-moi tout ce que j'ai, là. Tout les armes et tout. Regardez-moi ça. J'ai jamais rien vendu. Hein. C'est pour ça, là, j'en ai une pelletée, hein, je peux vous dire. Monture légendaire, tout ça, acheté. 5000 balles. Ça, ce que je vous disais tout à l'heure, on peut améliorer la lame secrète avec les composants, donc, vous voyez, les pots, le fer, fitrite, silitiste, comment ça s'appelle ce truc-là, 23 sur 20. Enfin bref, chaque pot correspond à... Là, vous voyez, il faut trois sortes de pots différentes, hein. Celle à droite, ça va, je suis pas trop... À la dèche, j'en ai 105 sur 15. Mais celle de gauche, vous voyez, c'est un petit peu plus laborieux. Donc, vous voyez, si vous voulez améliorer vos trucs... Enfin, ça reflète plus ou moins votre façon de jouer, hein, je suppose. Si vous êtes un gros bourrin que vous y allez au corps à corps, ben, faut privilégier ça, l'amélioration de ça et ça. Et tout ce qui est à droite, en fait, on serait tenté de dire. Ça, c'est les outils, hein. J'ai quasiment rien acheté, c'est pour ça que j'en ai pas. Et à gauche, c'est plus ce qui est les arcs. À distance, tout ça, donc voilà, c'est en fonction des points d'aptitude et tout, encore une fois, c'est ça qui va plus ou moins déterminer votre façon de jouer, finesse, discrétion, distance, donc voilà. Bon, bah écoutez, je pense que j'en ai terminé, hein, moi, avec Assassin's Creed Origins.
Au début du jeu, faut que je vous en parle parce que ça m'a un petit peu dérangé quand même. Il y a plusieurs choses qui m'ont gêné. Premièrement, vous êtes balancé dans le jeu tout de suite. Hein. On va se laisser là, je pense. Vous êtes balancé tout de suite dans le jeu. Aucune explication au niveau du combat, enfin presque. Si, si, un petit peu des tutoriaux, tout ça, au niveau de ce que vous faites là. Le scénario, c'est surtout ça qui m'a dérangé, en fait. Vous êtes directement balancé en exploration de tombeaux c'est un petit peu relou, malheureusement, ça m'a un petit peu gêné. Moi, j'aurais voulu qu'ils prennent plus le temps d'introduire les personnages. Ça va venir plus tard, il y aura des flashbacks, tout ça. Mais même, comme ça... Au bout d'un moment, il s'y fait. Bien sûr, je suis à 50 heures de jeu, hein, encore une fois. Mais malheureusement, ils sont chiés dessus, je trouve. Comment on fait pour lui donner à manger? Est-ce qu'on peut la récompenser, normalement? Mais ils disent dans les écrans de charge... Oh, énorme, hein, bisous. Mais, j'ai pas trouvé, ils disent, pensez à la récompenser de temps en temps. Ouais, mais on fait comment? Il y a pas mal de trucs comme ça qui vous expliquent pas, je suppose. Et ils ont, donc ça va s'enchaîner comme ça, l'histoire, mais autant dire que si on ne fait que l'histoire, ça devient moins jaune, splendide. Et ben, c'est extrêmement court, quoi. C'est extrêmement, C'est beaucoup plus court que... J'aurais pas fait 50 heures dessus, hein, si j'avais fait que les quêtes principales. Et ça se termine très vite, j'ai cru remarquer. Mais vu qu'il y a un niveau... au début, c'est niveau 5, après on va passer direct niveau 9, après niveau 13, vous voyez. Donc ça force quand même à faire des trucs annexes, je suppose. Mais c'est un jeu qui va montrer l'origine. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça, une fois de plus. La genèse, la création, plus ou moins, enfin c'est censé, en tout cas, la guilde des assassins, tout ça, c'est plus ou moins bien fait, si vous voulez, mais c'est pas non plus extraordinaire, voilà. Parce qu'encore une fois, Bayek, c'est pas le tout premier assassin, hein. Il y avait un mec romain, ou je sais plus quoi, un tout premier utilisateur de la lame secrète, d'ailleurs je crois que c'est celle qu'on possède, hein. C'est la sienne, à ce mec-là, là. Mais je crois qu'ils en parlent pas dans le jeu. Mais je sais pas si on voyait ça dans les romans ou je sais pas quoi, mais c'était encore plus ancien. Mais ça, c'est des utilisateurs de la lame secrète, mais c'est pas vraiment des assassins. Autre chose qui m'a dérangé, c'est notre jauge de visibilité, entre guillemets. Non, c'est pas ça, c'est le... Enfin, si, plus ou moins. Mais à quel moment on est repéré? À quel moment les soldats nous ont perdu de vue? À quel moment ils nous voient plus? Tout ça, on le voit quasiment pas, hein. J'aurais aimé une icône, un petit peu comme celle, l'espèce de A de assassin, vous voyez, en haut à droite de l'écran. Mais ça, c'est pas ça, normalement. Je l'ai su, mais je sais plus trop ce que c'est. Et ben ça, une icône pour nous montrer que le mode alerte est terminé, qu'ils nous ont perdu, tout ça, parce que là, on a juste un bruit bizarre, avec l'écran qui floute un petit peu, ça m'a dérangé, j'ai pas trouvé ça très efficace, Donc voilà. Il y a d'autres trucs qui m'ont dérangé. Hein. Mais là, je retrouve plus trop. C'était un petit peu... je voulais un petit peu en terminer avec ça. Les points qui m'ont dérangé. Je pense vous avoir parlé à peu près de tout, du plus important en tout cas. Ça, c'était important. Il y a des nids d'animaux aussi. Hein, nids de hérons, nids d'hippopotames, tout ça. On doit aller... Qu'est-ce que c'est que ça? On voit les chasser le chef, entre guillemets, des hyènes, tout ça. C'est une corde? Une corde, s'il vous plaît! Ouais. Ça aurait pu être un cobra! Donc voilà, moi, c'était à peu près tout ce que je... Encore, ben dis donc. Au père de l'ermite, et non pas la termite. Il n'y a pas de quête annexe ici, là. C'était à peu près tout ce que je voulais vous dire, je suppose, sur Assassin's Creed Origins. J'ai apprécié. Voilà, je pense que j'aurais beaucoup moins apprécié les autres, les précédents, si je les avais faits. Celui-là, il est efficace, hein, y a pas à chier, c'est... Moi, j'y ai trouvé mon compte, hein, c'est un jeu qui est très similaire à The Witcher 3. Il reprend pas mal de choses, moi, j'ai vraiment aimé. Surtout que j'aime bien l'Égypte, encore une fois, donc... c'est efficace. Plein de trucs à faire, encore une fois. Voyons voir si je suis un... Oh, mais qu'est-ce que... Voilà! Et voilà, j'en parlais justement, j'ai failli me faire piquer.
Saloperie! C'est pour ça! Donc ça, c'est des petits ennemis, hein. Donc c'est pour ça que... C'est pour ça qu'il n'y avait même pas leur jauge de points de vie. Oh! Il en a tué un autre, bien joué. Il nous aide, hein, de temps en temps, vous voyez. Quand vous commencez à tuer un ennemi, eh ben, si on a un autre à côté, il va le tuer lui aussi. Et ça permet de des trucs à lire, là, je suppose. Ça permet de vous épargner un petit peu du... Prends ça. Du travail. Donc voilà. Oh, ma flèche, elle apparaît pas. C'est dommage, parce qu'il y a un souci du détail assez impressionnant dans ce jeu. Mais là, c'est l'exception qui confirme la règle. Mon secret pour réussir est simple, je me repose sur les épaules des dieux. Je les laisse faire. Voilà. Il a été tué par des cobras. Donc là, vous voyez, c'est à peu près... Ouais, ça, les conneries dont je vous parlais, là, le triangle blanc, tout ça. Comme ça, je vous aurais tout montré, je suppose. Voilà, pas mal de choses à faire, encore une fois. Et les séquences du présent, voilà, avec Laila, et non pas la chanson avec Eric Clapton, que j'avais passé en live, encore une fois. Eh ben, oui, c'est Laila Hassan, je crois. C'est le nouveau perso, hein, je suppose, qu'on va incarner. Puisque je me souviens que dans Black Flag, il y avait un autre perso, mais ils ont pas gardé ça, apparemment. Alors, en vue FPS, on savait pas trop ce qu'on foutait là. On visitait les labos d'Abstergo, les locaux, tout ça, les bureaux. Je savais pas où ils voulaient en venir. Là, ça revient plus à quelque chose comme les trois premiers. Et tant mieux. J'aime bien, je suppose. J'ai hâte de voir la suite, Rebecca, tout ça. On va les revoir, je suppose. Ça le laisse présager, et c'est pas mal. Il y a une interface, vous voyez, on peut revenir à elle, ben ouais, c'est marqué en bas droit de l'écran. Là, je laisse enfoncer la touche O, et ça revient au présent, après un temps de chargement, nouveau Animus, tout ça, et elle a un background de tout ça, et on peut voir ses dossiers, elle a son petit caractère, et voilà, ça s'annonce bien, je suppose. La successeuse, on serait tenté de dire, pourquoi pas, du premier, hein. On voit mon nombre ici, c'est assez énorme. Et donc ben voilà, vous l'avez compris, Assassin's Creed Origin, un excellent épisode de la série pour ma part. J'ai, non sans défaut, évidemment, des bugs, hein, comme d'habitude, hein, les bugs typiques Ubisoft et Assassin's Creed, étant donné que c'est un monde ouvert et que... Oh, pas mal, ils me passent juste au-dessus, c'est énorme, ils ont pas peur. Ils me tournent autour. Ils sentent que moi aussi j'ai un aigle. À moins que ce soit des vautours, fais voir. Prends ça! Ouais, je sais pas. Eh ben, de quoi je parlais, bordel? Hein, il y avait un truc triangle, c'est quoi, là? C'est quoi, ça? Je peux lui sauter dessus? Fais voir. Sérieux? Ah, mais là, il remonte, là, ça, pas du tout. Ouais, c'est des vautours, hein, c'est ça. Curieux de savoir ce qu'on pouvait faire avec triangle, là. Assassiner, probablement. Avec la lame secrète ou je sais pas quoi. Je sais plus de quoi je parlais avec ces conneries, maintenant. Vite, maintenant! Ouais, bah, il a fait quelque chose, mais ça a pas marché, hein. Mais normalement, oui, je pense que c'est assassinat furtif. Mais là, il a rien fait, il a pas sauté ni rien. Oui, les bugs, typiquement Ubisoft, malheureusement... Il y en a encore. C'est un petit peu malheureux quand même. Après tant d'épisodes, qu'il y ait toujours autant de bugs et des problèmes de toute façon, vous pouvez aller voir sur internet, hein, il y en a quelques-uns. Moi aussi j'en ai eu, mais là je saurais plus trop vous dire ce que j'ai eu. Des quêtes qui se lancent pas, ce genre de truc, le problème de pathfinding, un perso qui arrive pas à sauter dans un trou pour me suivre. Donc je peux pas continuer la quête, parce que j'ai besoin de lui, et voilà, ce genre de truc, c'est toujours un petit peu chiant. Mais bon, on va dire que dans l'ensemble, et étant donné que c'est un monde ouvert, bah c'est bien, voilà, il y en a pas non plus à l'appel, hein. Il y en a pas non plus sans arrêt, et j'imagine que les patchs ont plus ou moins corrigé au fur et à mesure, donc bien, voilà, c'est pas mal. Donc moi je vais vous laisser là, je suppose, c'était L4 de Siwa, voilà, j'ai envie de dire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et si c'est le cas, je vous dis à la prochaine. Allez, à ciao les amis.